Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on applique la formule de la distributivité simple. Donc, distribuer, donc ça consiste à développer une expression littérale, et donc développer une expression consiste à transformer un produit de deux termes en une somme ou un produit de deux termes en une différence. Donc, en appliquant une de ces deux formules. Donc, je vous ai mis deux exemples. Donc, dans le premier exemple, on a l'expression 4 fois entre parenthèses 2y plus 3. Donc vous voyez qu'ici on a un plus. Donc on va appliquer la première formule. Donc il s'agit de distribuer en fait le nombre qui est ici. Donc avec 2y et 3. Donc on va appliquer la formule. Donc ce qui nous donne k fois a plus k fois b. Donc dans notre exemple, si on applique la formule, cela nous donne 4 fois 2y. On remet donc plus 4 fois 3. Quatre fois 2y, ça nous donne 8y plus 4 fois 3 qui nous font 12. Donc là, on a appliqué la formule de la distributivité simple qui consiste à transformer un produit de deux termes en une somme de deux termes. Donc ici, on ne peut plus rien faire parce que je rappelle qu'on ne peut pas additionner des termes qui n'ont pas la même partie littérale. Dans le deuxième exemple, donc là, il y a une petite différence entre l'exemple, donc cet exemple-là et celui-ci. Là, on a un moins. Donc on va appliquer la deuxième formule de la distributivité simple qui est exactement la même, sauf que du coup, si on a un moins ici, on va remettre un moins lorsqu'on développe l'expression. Donc on va développer, distribuer x. Donc ce qui nous donne x fois 9. On remet le moins comme dans cette formule. X fois 5x. Donc x fois 9, on peut l'écrire 9x moins x fois 5x, ce qui nous donne 5x au carré. Donc voilà, là c'est la même chose, on a transformé un produit de deux termes en une différence en appliquant la formule de la distributivité simple.